Bonjour, je vais vous présenter un service en ligne qui s'appelle WeTransfer. WeTransfer vous permet de télécharger et d'envoyer à vos contacts, à vos amis, jusqu'à 2 gigas de photos, de vidéos, de dossiers ou autres gratuitement. Pour cela, se rendre sur WeTransfer.com. Quand vous êtes sur ce service, il y a une fenêtre qui s'ouvre ici avec plusieurs choses. Donc les fichiers à ajouter jusqu'à 2 gigas gratuitement. L'adresse de vos contacts, on peut aller jusqu'à 20 contacts simultanément. Votre adresse d'expédition et un message. Donc on va faire un essai. Je vais m'envoyer des photos. Donc voilà. On va se rendre ici. On y intègre les photos. Donc là, on a quand même 22 mégaoctets. Bon, ça prend un certain temps. Dernièrement, j'ai envoyé un peu plus de 500 mégaoctets. Il y en a pour presque 2 heures. Donc bon, il faut être patient, mais c'est vrai que le service est vraiment intéressant. On va transférer les photos, les envoyer au contact ici. Et donc là, il y en a pour un petit moment, je pense à peu près 4-5 minutes. On se retrouve tout de suite. Voilà, on va récapituler un petit peu. Donc là, je viens d'envoyer 2 fichiers à un contact de 22 mégaoctets. On est à 100%. Et voilà, les fichiers sont partis. On va voir un peu ce qui s'est passé dans les courriers. Donc le courrier d'expédition, donc la personne qui a expédié. En l'occurrence moi. Donc j'ai envoyé un fichier à contact photo reportage. Voilà, le lien de téléchargement se trouve ici. Avec, il y a bien les 2 photos que je peux retélécharger. Mon contact a reçu également un fichier. Récupérez vos fichiers. Donc il peut également récupérer les fichiers. Donc on va les récupérer et on va voir ce qui va se passer dans le contact d'expédition. Donc les fichiers se téléchargent. Voilà, les fichiers sont téléchargés. Et la personne qui a envoyé va recevoir un deuxième mail stipulant que contact a bien téléchargé vos fichiers. Donc c'est pas mal, ça fait un peu accusé de réception. C'est très intéressant. Voilà, c'est un service très facile et qui permet d'envoyer de lourds fichiers.